On est parti. Ouh, regardez ce départ. Regardez ce délicieux départ. Vraiment délicieux, hein. Vraiment, vraiment délicieux. On a beaucoup de forêt, ce qui veut dire qu'on va pouvoir se faire assez plaisir. On a du cacao qui est ici. On a une fissure à côté d'une montagne, à côté d'une forêt tropicale ici. Ça peut donner quelque chose de pas mal. Alors, Civilisation 6, ça fait un petit moment. On a eu l'épisode 0 qui nous introduit le petit César. Quelque chose que je ne sais pas, c'est la Légion. Regardons un peu ce qu'elle a. Cette unité, d'accord, et peut construire un fort romain, d'accord. Je pensais qu'elle avait une charge de bâtisseur, mais en fait non, ce n'est pas ça. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Pour essayer de bénéficier de ses compétences, on va devoir rusher l'acier qui est ici. D'accord, donc ce sera dans l'ère moderne, ce ne sera pas tout de suite. Je pensais en fait qu'il fallait rusher le travail du fer. Moi je pensais que bah, quand on travaille le fer, on appelle ça de l'acier, hein, tout simplement. Et oui, voilà, donc voilà, ça fait déjà partie des choses que j'ai un petit peu oubliées. On va essayer de voir où est-ce qu'on va s'installer ici. On va déplacer déjà notre guerrier. Et je vais le mettre ici sur cette colline pour voir un petit peu plus. Oh, regardez ça, on a trouvé un autre continent. L'écran, le filtre des continents, c'est ça. Ok. C'est très bien, donc là c'est un autre continent, on est content. Alors, je pense que je vais me mettre sur le cacao. Là déjà on voit quelque chose avec laquelle je ne suis pas très habitué, c'est que le terrain est super brillant, coloré et plein de vie. C'est plus aussi terne qu'avant. Ah, ça fait bien plaisir. Je pense qu'on va se mettre sur le cacao. J'ai essayé de réfléchir un petit peu en essayant de nous mettre sur ici la fissure, comme ça on a un de science qui est énorme en début de partie. Mais ça va un petit peu freiner un petit peu mon expansion. Je pense que si on arrive à se mettre ici, on pourra bien s'étendre. 1, 2, 3, on aura par exemple cette case de banane. Si je me mets ici, j'aurai quand même pas cette banane là. Et où que j'aille, en fait, ces deux cases vont m'empêcher de construire quelque chose. Donc on va se mettre sur le cacao et on voit un peu plus. Donc par exemple, cette case, elle devient super importante pour un campus. Parce qu'on va avoir un campus en plus à 2, 2 et 1, plus 5 en début de partie, c'est énorme. Allez, tour suivant. Il faut pas que j'oublie de mettre un chrono, sinon on va trop se faire plaisir. Allez, viens donc ici, mon petit. Ouh, mon Dieu. Que des montagnes. Ah oui, ça c'est un petit peu problématique. Donc là, avant de se déplacer avec le colon, parce que j'ai l'impression que c'est ce que j'allais faire, on installe notre ville, Rome. On a du coup une case. Avec 3 d'or, bon, 2 de nourriture, 1 de production, c'est la base si on veut, mais on est entouré de cases avec 2 et 2. Cette case, je pense, on va pouvoir la récupérer le plus tôt possible, ça va nous donner du riz ou alors celle-là pour avoir un peu plus de production. Ce qui est assez sympa. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher? Comme maintenant on sait que l'acier est un petit peu loin, bon, on va quand même le garder à l'œil. En fait, ce que j'avais voulu, c'était rusher travail du fer. Mais on va quand même rusher travail du fer, mais pas aussi vite que je le pensais. Exploitation minière m'intéresse, mais si je veux installer mon campus ici, il va falloir que je débloque la carrière. Donc du coup, il faudrait qu'on construise une carrière. Donc on va aller vers l'exploitation minière, ensuite on va venir là, et puis après on va aller vers la maçonnerie. On va faire ça dans l'ordre, et apparemment j'ai pas bien sélectionné les choses. Donc c'est comme ça. Ok, là on est bon. Mais bon, on verra ça petit à petit. On va faire quelque chose de différent. Habituellement, ce que je conseille en divinité, c'est de construire un guerrier pour vous préserver. On va construire un frondeur. C'est un conseil qu'on m'a donné. Et du coup, là, je vais essayer de le suivre. Alors, ce terrain est vraiment difficile à pratiquer, ce qui est bien, parce que ça veut dire qu'on est protégé. Je vous avoue que j'aime bien être au milieu. Comme ça, j'ai accès à toutes les civilisations. Là, je ne vois pas de mer à côté, sauf peut-être à cause de cette méduse sur la carte. Donc, du coup, on verra bien. Ouais, visibilité, pas super, mon petit. Pas super, je suis d'accord avec toi. Donc là, quelle case est-ce qu'on travaille? On doit travailler une des cases 2, 2, donc on est comme ça. On va essayer de voir s'il y a une colline ici. Ouh, regardez ça, je voulais aller ici. Et là, ça va me prendre 2 tours pour arriver là. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est les chances et les joies de civilisation. Du coup, tu vas aller sur cette colline. On voit encore plus loin. Apparemment, on n'a pas de voisins. Ok. Peut-être qu'ils sont juste à côté. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir? Mysticisme, vraiment?
T'aurais pu me donner de la foi, j'aurais été content. Mais non, mysticisme comme booster. Oh, je vous jure. Ce gâchis. Ok, on a ici notre frondeur. On va aller voyager et apparemment découvrir les chouettes de Minerve. On a Cardiff. Oh, Cardiff. Établir une route commerciale, ça c'est génial. Et ça va vite se faire, mon petit. On a du coup un émissaire dans cette cité-état. Et du coup, là, on va gagner 2 de production pour les quartiers et les bâtiments construits dans la capitale uniquement. On va leur faire plaisir. On va leur faire plaisir. Là, en ayant découvert la chouette de Minerve, on a un titre de gouverneur. Donc, je pourrais recruter la chouette qui pourra nous donner un émissaire dans la cité-état. Non, 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 ça se débloque quand on fait ça. Donc, un emplacement de doctrine économique. Et chaque route terminée avec une cité-état nous donne un émissaire. Alors, laissez-moi réfléchir un tout petit peu. J'aimerais prendre Pingala directement pour avoir un gros boost en science, donc 15% et 15 de culture. Mais la chouette de Minerve me permettrait d'avoir un petit peu d'argent. Où est-ce que nous en sommes? Dans 9 tours. On va faire ce tour-ci, ça va me laisser le temps de réfléchir un peu. Alors, je vais construire le monument. On va construire le monument pour se faire un petit peu plaisir. On va aller sur cette colline. Et on a découvert Saladin. الواحد الأحد القوي المنتصر الدائم الذي لا ينتهي ملكه أرسل إليك تحياتي يا صديقي العزيز. Alors, c'est bien de me souhaiter la bienvenue, mais dans ton armure de guerre, je sais pas. Alors, on n'échange pas d'informations, mon petit Saladin. Et je sais que tu as des mouvements maintenant, tu te sens un petit peu bien comme ça. Mais non, on va pas faire ça. Donc, Saladin, d'où est-ce que tu viens, mon petit coquin? Où est-ce que tu viens? La partie est bien sombre, je vous avoue. Allez. Où est-ce qu'on peut trouver des barbares? Ok, on a chopé la case de pierre ici. On a 2 de population. Donc, ça nous aide un petit peu. J'aurais préféré qu'on chope une case de nourriture. Mais c'est comme ça. Par contre, on génère bien, bien plus d'or. Alors, je vais essayer de lui couper la route. On essaye de voir. En fait, c'est vraiment parié quand on se déplace. Hein. Je sais pas où aller. Ouh! Venise! Eh oui! Donc, déclencher l'inspiration pour Premier Empire. Alors, je vais aller ici. Et j'aimerais trouver un village, parce que là, j'ai l'impression qu'il s'éloigne de sa capitale. Donc, s'il y avait des villages sur son chemin, bah, il les a trouvés. Est-ce qu'on vient par ici? Il n'y a pas de colline. Ok, il y a du corail, non, de l'ambre. De l'ambre. On se calme, j'y vais. Je vous trouve au... Ok, exploitation minière. Tac. On va venir ici. Ouh, il y a l'Américain qui est là. D'accord, c'est très bien. Mon petit, tu vas venir là. Ok, donc là on voit qu'il n'y a qu'un petit chemin qui puisse nous permettre de que les autres ont pour nous agresser. Ce qui veut dire aussi qu'on va avoir du mal à quitter notre capitale. Mon Dieu, mon Dieu. Ok, on va aller vers le nord avec le frondeur et voir ce qu'on peut trouver. Ce serait bien si on pouvait améliorer le travail du bronze en tuant 3 barbares. Mais là, on est déjà bien parti. On a la poterie qui est en place et ainsi de suite. Allez, le monument, essaie de finir ça le plus tôt possible, mon petit. Non, on n'a pas de case de nourriture, malheureusement. Peut-être qu'acheter la case serait une bonne idée. Mais s'il y avait une case avec 4 de nourriture, je l'aurais acheté direct. Là, je suis pas très sûr. Alors, l'Amérique. On découvre l'Amérique. I am Abraham Lincoln. The president of a young nation, but one that builds upon dreams. Ok, au lieu de construire des rêves, tu peux pas construire une barbe qui est un peu plus... un peu plus respectable. Alors, je sais pas. Tout ce que j'ai fait, je vous avoue, dans les options, c'est j'ai tout mis au max. J'ai pas essayé de régler quoi que ce soit. Donc, les chouettes de Minerve, dans 4 tours... Allez, on va faire ça, je pense, quand on va débloquer. Ah là là, le Pingala, ça me prend la tête. 15% de 1,5, c'est pas énorme. Pas énorme. Et on n'a rien en truc. Non, je vais prendre la chouette de Minerve. Je vais prendre la chouette de Minerve. Donc, il n'y a pas vraiment de limite de temps sur ça. Mais bon. On aura au moins la quête avec... Oh, des barbares qui sont ici. Mon Dieu. Ok, on va traverser la rivière, on va essayer de voir s'il y a des barbares par là. Donc là, on voit un camp barbare qui vient de s'installer. C'est génial, c'est ce qu'on voulait. Ok.
Allez, vas-y, agresse-moi s'il te plaît et suicide-toi sur moi. Non, ne le tuez pas, s'il vous plaît. Ah, merci beaucoup. Voilà, donc là, on va tuer un barbare. Ça nous fait un barbare de tuer. On continue. On a bientôt notre monument, donc le boost de culture, il va être fumé. On a perdu une de population. Vous êtes serré. Ah non, non, c'est pas moi qui ai perdu. D'accord. Bah, ça va, tant que c'est pas moi, je suis content. Donc là, on va venir ici, on va agresser le petit... Regardez ça, deux doctrines économiques. Boum, boum, on va pouvoir mettre les deux en même temps. Et on va mettre discipline aussi. Ça va nous permettre de mieux attaquer les barbares. Parce que ça nous donne plus 5 en attaque de contre les barbares. Attaque. Ok. Oh, regardez ça. Eh oui, la bonne vieille stratégie. Hein. Il est sorti de chez lui parce qu'il veut m'agresser. C'est un très mauvais choix, mon petit. On va construire un bâtisseur maintenant. À moins qu'on ait la possibilité d'acheter un bâtisseur. Regardons un peu nos voisins. Il a 102 pièces d'or et il a 253. Ah, ce Lincoln. Est-ce que ça t'intéresse, ça? Ok. T'es prêt à donner 5 pièces d'or. Ok, j'arrive pas à faire un deal qui m'intéresse. 5 pièces d'or par tour. Non, c'est si je veux mon bâtisseur. On va faire ça. J'ai malheureusement pas de faveur, sinon j'aurais pu... Allez, 102 pièces d'or, c'est... Waouh. Tu m'as arnaqué, mon petit, mais c'est pas très grave. On va acheter un bâtisseur, ça sera plus rapide que de le construire. Et on va lancer directement la construction d'un colon. Ou peut-être un guerrier. Ou même un frondeur. Allez, on va prendre un frondeur. J'ai un petit plan pour la suite. Oh, qu'est-ce que nous avons ici? Ok. On a un volcan, pas loin. Donc on va lancer la construction d'un frondeur et on va se faire plaisir avec ce camp. Donc là, boum. Voilà, j'ai ma promotion. Et on va aller construire la carrière ici. Après avoir débloqué l'écriture, non, ça sert à rien. On va commencer la maçonnerie tout de suite. On va commencer la maçonnerie. De cette manière-là. Alors, si je construis ici, ça va prendre un petit peu la tête. On va construire la maçonnerie ici. Enfin, une carrière ici plutôt. Donc, maçonnerie, ça se finit en 13 tours. Parce que ici on a besoin de ramasser la pierre. Je vais être obligé de faire ça et j'ai pas envie de construire. Et puis après, perdre un autre tour pour déconstruire derrière. Allez. Ah non, 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 il faut pas t'enfuir, mon petit. Va chez ta sœur. Ok, donc là on va aller mettre la ferme en place. Parce que c'est ce qu'on vient de débloquer. Bah, tu peux venir ici hein, directement. Ok, on a un autre barbare. On va venir ici. J'espère qu'il va aller par là, comme ça il va se coincer. Par où tu vas aller? Ah bah tu décides de ne pas bouger, bah c'est encore mieux. Voilà, donc on a tué deux barbares. Alors maintenant, on vient ici, et on va tuer le troisième barbare, et en même temps avoir une promotion, si c'est pas génial. Un Eureka, pardon. Oh yeah! On perd ses habitudes, mais on les récupère assez vite. Hein. La théorie est là. On va dire ça comme ça. Et ça devrait pas partir normalement. Donc on va mettre une ferme. Donc on a du coup l'irrigation. Et là ce que je vais te demander de faire mon petit. Ah c'est vrai que le 1 de science est tellement délicieux. Si on vient ici, combien de tours est-ce qu'on prend? Ah ok, regardez ça, on perd du... Et on va choper un de population le plus tôt possible. On va faire ça. On va faire ça. D'accord, donc ici je vais venir là. Donc là, on a tué le barbare, on va voir s'il y a un camp qui est pas loin. J'aurais dû revenir ici pour voir, mais j'ai eu aucun village tribal. Hein. C'est génial. Hein. Je vois la marque du malin sur vous. Eh oui. Ok, on a notre frondeur, on va lancer du coup maintenant la construction d'un colon. Donc ce frondeur va me permettre de me faire plaisir avec ce petit campement. Donc là, le campement, on peut... le disperser pour gagner 10 d'XP. On a déjà une promotion, donc si je gagne de l'XP, c'est perdu. Ou alors je peux piller le camp. Allez, je vais piller le camp. C'est vraiment parce que c'est vous. Hein. Voilà, je vais piller le camp et... c'est déjà ça. Alors, viens par ici, s'il te plaît. Mengimuhatu wa kijinga, njinga, ngakudiondo.
Jikima Boso wa mécène. Ok, bah... je suis content de vous rencontrer, madame. D'accord, il s'est barré. Je vais me soigner ici, dans la forêt. Parce que si je vais l'agresser sur la terre ferme... voilà quoi. Donc ici, regardez ce qui s'est passé. Ils m'ont exclu du clan. Hein. Je suis rentré chez eux, je les ai pillés. Ils se disent, mec, tu déconnes pas un peu, là? Et c'est vrai, je déconne un peu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Lui, il va essayer de venir m'agresser. Je peux venir ici prendre un niveau de promotion, ou alors je peux m'éloigner, et ça va me laisser le temps à ce barbare, à ce frondeur de s'approcher. J'aurais dû venir de ce côté-là, c'est pas grave. Je vais venir ici. Et oui. Ok, on a le commerce qui est débloqué. Tac. Attendez, la petite chouette de Minerve, là, elle me donne pas une route commerciale hein? Non, c'est une doctrine. Ok, c'est ça. C'est une doctrine. Ok, donc ici, ce qu'on va faire, c'est l'attaquer dans le dos. L'attaquer dans le dos, et toi, tu vas reculer, je pense. Si je viens ici, je serai sauf. Et safe aussi. Allez, premier empire atteindre, 6 de population, ça va être compliqué. Aménager 3 cases, on va pas arriver à faire ça. Ok. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est acheter un négociant, ou alors acheter un guerrier pour nous permettre de bien nous mettre. Ou même attendre d'avoir un grenier le plus tôt possible. Je vais acheter le négociant. Ah. Mais les gars, il faut me laisser un petit peu tranquille. Donc là, je vais venir dans la forêt. Je pourrais venir ici et l'agresser. Mais je vais me soigner un peu. C'est pour ça que c'est un petit peu dangereux ici. Donc là, on va aller vers Cardiff. Oh, Washington me donnerait un de science. Washington me donnerait un de science et je pourrais progresser bien, bien plus vite que ça. Allez, je vais prendre la science parce que j'ai fait que prendre de mauvaises décisions jusqu'ici. On va essayer de finir la maçonnerie un petit peu vite. Ok, on a gagné 2 tours. Donc c'est déjà pas mal. Au prochain tour, on pourra travailler la science. Hein, et gagner encore plus de temps. Ok, donc là, on est en train de se soigner. J'aurais dû me soigner chez moi. Ça aurait été bien plus intéressant. Allez, viens donc ici. Ok. Alors, si je mets la carrière, en fait c'est fini. Notre bâtisseur disparaît. On va construire la carrière. Voilà, regardez cette délicieuse carrière. Ça va nous permettre en fait de produire notre colon bien plus vite. Donc là, on gagne 4 tours pour construire la maçonnerie. Tac. 5 tours. Et du coup, on gagne 1 tour sur notre... Non, on gagne pas de tour en fait sur notre colon. Donc c'est pas très grave. On va garder ça comme ça. On va finir la maçonnerie le plus tôt possible. Et on pourra débloquer du coup le campus incessamment sous peu. Alors je vais venir ici, donc regardez ça. Là je peux prendre salve. Et puis ici, tu vas pouvoir te soigner mon petit. Oh! Oh yeah! Oh yeah! Oui, j'aimerais bien visiter ton hospitalité, ma délicieuse Cléopâtre. Oh yeah. Oh, elle est amie avec madame du Congo. On va l'affaiblir un peu. Nous avons quoi ici? Nous avons cette unité qui veut nous agresser. Alors, je vais perdre le combat contre elle, donc on va un petit peu s'éloigner. On va aller visiter du monde, hein. C'est pas plus mal comme ça. On génère 12 pièces d'or, on peut échanger des choses. Il y a des gens qui veulent nous vendre... Oh, regardez ça. Ok, c'est très bien. C'est très bien ainsi. Donc pendant qu'on se défend ici... Ah, il a produit un... Elle a produit un lancier. Ok. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est prendre notre promotion, salve. Et on est content. Donc là, il se dirige par là. Je vais me soigner ce tour-ci. Et on ira attaquer un peu le clan. Où est-ce que t'es? Ah, j'ai oublié cette unité.
Ok, lui aussi il est en fortification. Bon, si on est tous les deux fortifiés, on va pas aller loin avec ça. Ok, on finit notre tour et on va bientôt avoir notre colon. Vous êtes pire que Brutus et César réunis. Mais oui, mais je suis César réuni. Pourquoi est-ce qu'elle m'a dénoncé comme ça, la petite égyptienne là? Qu'est-ce qui va pas? Et non, en plus, on était genre neutre. Qu'est-ce que tu voudrais? Ah, tu veux pas me vendre des choses? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est délicieuse cette Cléo! Allez! Non! J'ai passé mon tour sans le vouloir. D'accord. C'est comme ça. Donc là, apparemment, on se regarde dans les yeux pendant des années. On va essayer de. On est inconfortable, donc du coup, on va l'agresser. Ok. Donc là, on va pas leur laisser le champ libre. On va essayer de venir récupérer ce petit campement. On a un de deux colons qui arrive. C'est vraiment lent cette construction. Ok. On n'a pas beaucoup de production. On peut construire des pyramides, pour ceux que ça intéresse. Peut-être que construire un guerrier nous permettrait de gérer plus facilement le camp qui est ici. Et où est-ce qu'on va aller s'installer? Cette forêt tropicale un peu bizarre ici. Ah, elle a été incendiée. D'accord. Punaise. Donc ici on a Cardiff. Où est-ce qu'on peut s'installer? On ne peut pas s'installer ici. Mon Dieu. Je pense que quand on va commencer à faire la guerre, on va casser énormément de bouches parce que là ça va pas. Même les cités-états, je pense qu'il faut qu'elles partent. Hein. Parce que ça m'empêche de m'étendre ici. Bon, vu qu'il y a des cases 2 et 2 avec de l'ambre qui est ici, je pense que ça peut être un coin assez sympa où s'installer. Donc on va y aller comme ça sans vraiment savoir ce qu'on va faire. Mais cette zone ici est aussi délicieuse. Hein. Ah, c'est pas grave, on a pris la décision. Oh non, ok. Alors, échanger les barrières, je sais pas si ça te dit. 17 pièces d'or. Ouais, sinon tu vas me coincer. Donc là, je vais aller par ici. On va se soigner. On passe notre tour. Elle a une bien grosse tête en fait. Son corps, ça fait un effet bizarre comme ça. D'accord. Ok. Donc là, je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin du Congo pour m'aider à raser ce campement, malheureusement. Je ne peux pas faire ça moi-même. Oui, non, tu finiras toujours par essayer de m'attaquer. Ça c'est lié à ça. Ok. Oh, regardez ces cases délicieuses qui sont là. Regardez ça, on a une case 2 et 3. Si c'est pas génial. On a toutes ces cases qui sont délicieuses. On va juste s'éloigner un tout petit peu de notre capitale et on va s'installer. Oh, c'est pas mal. Là, je suis content. Je suis content, je suis content. Ok, ben on est très content du coup. On va pas malheureusement atteindre 6 de population. Rapidement. Donc là, on va switcher, on va aller vers l'artisanat. Je vais rentrer à la maison. On va se soigner ici. On va avancer sur cette case. Ah, on a des montagnes en vue. On a de la pierre, on a de l'ambre pas loin. Et on a Cardiff aussi qu'on peut agresser. Si on met un campement ici, on peut l'agresser très facilement. Allez. Donc, c'est pour ça que je suis pas trop fan des campements. Parce que les campements, c'est sympa, hein, mais en même temps, c'est pas si sympa que ça. Va dans la colline et toi, tu vas dans la ville et tu te soignes. Ok, notre campus, regardez ça. On a un campus en plus 5. Donc, ce que je voulais, c'était ramasser la pierre dans la construction du campus et derrière construire le campus. Mais voilà, ça permettait d'avoir en même temps quelque chose de sympa. Si je viens ici, je me fais agresser par les deux, c'est automatique. L'IA, les barbares essayeront toujours de m'attaquer moi en priorité, et puis après l'IA. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, travail du bronze.
On a une délicieuse ville. Ah oui, j'ai perdu la nourriture. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. On a un début qui est assez sympa. On a un 3 de campus ici qu'on pourrait choper. 3 de campus plus 3 en science. Allez, on va faire ça. Boum. Voilà, ça me fait 2 campus en début de partie. 2 campus, c'est assez énorme. Ok, donc regardons ici. On va pouvoir agresser. Ouh, je vais finir dans un âge sombre. Les gars, vous pouvez m'aider à construire ça un petit peu plus vite, s'il vous plaît. Ok, donc là, on est bien. Les deux ici vont m'agresser, mais je suis sur une colline et dans une forêt, donc bonus de défense augmenté. Oh yeah. Elle peut me dire ce qu'elle veut. Oui, d'accord. Promotion. Alors, promotion pour les guerriers. Si vous allez partir en guerre et tuer des civilisations, il faut prendre formation en tortue. Mais cri de guerre, c'est tellement délicieux. Vous allez pouvoir vous déplacer un petit peu plus vite. Allez, on va prendre cri de guerre parce que je suis contre des barbares ici. Mais ils vont switcher, je suis sûr, ils vont switcher. Pour que lui m'attaque sans qu'il puisse se blesser. Qu'est-ce qu'on a? Allez, ça sera à lui de choisir qui est-ce qu'il va attaquer. Tac. Non, je ne vais pas t'attaquer, mon petit. Par contre, je vais avancer par là. Donc là, ils ont fait le petit switch, hein, ils m'ont attaqué. Ok, on va remonter pour aider un petit peu. Ça. J'ai pas héros et légende. Si, mais c'est juste que j'ai personne qui puisse m'aider. Donc là, on vient ici, on se soigne. Alors si j'avance ici, il y a lui qui va venir. Ok. Allez, passe par là. Ils ont pas encore fermé les frontières de ce côté-là. Oui, mais les gars, il faut que vous me laissiez tranquille aussi. Donc là, je vais rentrer dans leur campement. Alors, je vais prendre ma promotion. Formation en tortue, par contre, ici. Comme ça, je vais prendre moins cher avec lui. Et peut-être que lui... Non, il va s'enfuir, je le sens. Le frondeur qui est ici. Allez, vas-y, soigne-toi. Et au prochain tour, on va raser le campement, parce que j'en ai marre. Sans l'artisanat, ok, on a l'artisanat. On pourrait le piller, mais vous voyez la merde que c'est. J'ai pas les unités pour continuer à les piller en fait indéfiniment. Et il faut attendre 10 tours avant de piller. Donc je viens de voir ça maintenant. Donc on va disperser le camp. On peut du coup recruter le vampire. Ah, il y a une cité-état ici. On va aller voir si on peut la découvrir. Donc là, nous avons la possibilité d'avoir manœuvre nationale, main d'œuvre nationale, et on a notre panthéon. Ah, délicieux panthéon. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Le départ était un petit peu... mou. Mais bon, on va peut-être atteindre un âge normal. On a combien de tours? On a 5 tours. Notre campus plus 5 va finir dans 2 tours. Donc je pense qu'on va sortir de cet âge sombre qui se présageait devant nos yeux. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben ça, il va falloir attendre le prochain épisode. Donc là, j'espère que ce début d'aventure vous aura plu. Petite chose, là, je vais pas trop éditer en fait les premiers épisodes. Je pense que le premier jusqu'au 3, je vais pas trop éditer ça. Mais quand on va commencer à avoir énormément d'unités, je vais faire ça. Parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'on va commencer à passer énormément de temps dans les tours. Mais c'est aux alentours des 100 tours, en fait, que ça commence à faire ça. Donc, du coup, là, en attendant d'autres vidéos sur la chaîne, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoria. Allez, salut!